Also da den der Thomas Sherdakhagi Gendum Namba Zorkube. D'abord, commençons par les avec tous les moines et les nonnes de tous les différents Shedra et toutes les personnes qui suivent cet enseignement via Internet. Je vous présente toutes mes salutations. J'espère que vous allez tous très bien. Nous en sommes au sixième jour de l'enseignement. Donc hier, je vous ai fait une présentation rapide du développement de la vue de l'esprit seul en Inde. Donc je vous ai parlé de Maitreya, d'Asanga, de Vasubandhu, qui sont les instigateurs de cette tradition de l'esprit seulement. Puis, ils ont été suivis par Dignaga Ajvabhaja et des dix grands érudits qui ont fait des commentaires de la trentaine. Comme je vous l'ai dit à l'oral hier, je ne vous ai parlé que à l'oral hier, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais donc pour que ce soit plus clair pour vous, j'ai fait un dessin. J'ai écrit et j'ai dessiné quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre l'introduction et le développement du Dharma de la vue de l'esprit seulement en Inde. Voilà le dessin. Alors, c'est un tableau, hein? Le tableau récapitulatif, donc, à expliquer sa sainteté, du développement de l'esprit, de l'école de l'esprit seulement en Inde. Donc, ceux qui ont créé les fondations de l'esprit seulement, c'est Bouddha Maitreya, enfin, c'est les Maitreya, Asanga et Vasubandhu. Et de ces trois, Asanga et Vasubandhu font partie des six sublimes et des deux grands êtres, les ornements du monde. Donc quand on parle des six ornements et des deux sublimes, on fait référence en tant qu'ornement à ceux qui sont qui ont été les plus célèbres propagateurs des différentes doctrines en Inde. Et les deux sublimes, ce sont deux êtres qui n'ont pas été très connus en Inde, mais qui sont suprêmes, tels que l'explique Taranatha. Mais ces six ornements et deux sublimes sont extrêmement connus et sont reconnus comme tels par tout le monde. Donc Asanga et Vasubandhu sont deux de ces six ornements. Aussi joyeux. Que Dignaga soit un disciple de Vasubandhu ou pas, il y a quelques discussions en Tibet, mais c'est ce que l'on dit au Tibet. Mais je n'ai pas besoin de rentrer dans cette discussion. Par contre, Dignaga a enseigné à Vajrayabhaya, qui a enseigné à Dharmapada, et qui a eu pour disciple Sutrim Zangpo Shila. Shila Bada. Je crois.
Donc, eux sont les maîtres qui, de l'esprit seulement, qui considèrent l'existence réelle hein, des phénomènes extérieurs ou des apparences. Donc nous avons Dignaga, Ashvabhava, puis Dharmapala, puis Shilabhara, Sutrisambo et Xunjan. Donc ce sont les maîtres de Namshemawa, c'est-à-dire l'esprit seul qui considère comme les apparences comme étant véritablement existence, les manifestations de la conscience comme existant réellement. Puis il y a eu d'autres disciples, donc là on voit sur le graphique du sous, c'est Yontenodre Gunamati. Qui a eu pour disciple Lodotempa Shtiramati, etc. Certains disent que Shtiramati est un disciple de Gunamavati, mais d'autres disent que c'est un disciple de Paramahansa. Donc, ces maîtres sont des partisans de l'esprit seulement, mais qui considèrent que les apparences sont fausses. Je vous ai parlé des dix grands commentateurs de la trentaine. Donc, ces dix commentateurs se sont basés sur la composition de Vasubandhu et aussi ont utilisé les explications de Shitrabana. Il y a aussi d'autres commentateurs, d'autres grands érudits commentateurs, et parmi eux, trois d'entre eux, et trois de ces dix, ce sont des disciples de Dharmapala. Donc, on parle de Visamitra, Jinaputra et Janachandra. En Chine, on parle des quatre grands enseignants. Lopunpo, Dachenzin, Chögyong, ces quatre grands. C'est ce que l'on dit dans la tradition chinoise. Et c'est ce que Taranatha explique dans son histoire de la Chine, de l'histoire de l'Inde, pardon. Donc on voit bien que Dharmapala était extrêmement connu en Inde. Et parce que trois de ces dix grands commentateurs étaient ses disciples directs. Donc, des contemporains de Shtiramati, il y avait Shundachandra et Nanda. Puis aussi un autre contemporain de Shtiramati, c'est Nanda, et qui a eu pour disciple Gerwede Jayasena. Donc, j'ai mis en bleu les dix grands commentateurs. Donc voilà un résumé de ce que je vous ai dit hier. Donc je corrige, Shetrapana est un des dix commentateurs et non pas une base pour les dix commentateurs, comme je viens de traduire par erreur. Donc, dans la continuité de ce que j'ai
enseigné hier. Je vais vous expliquer, je vais continuer à enseigner la propagation de l'esprit seulement, de l'école de l'esprit seulement en Chine. Je vous ai parlé des trois grandes traditions de l'esprit seul qui se sont répandues en Inde. Donc la première, je l'ai déjà expliquée. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette troisième école, l'école des caractéristiques du Dharma. Soit Chenambeduta ou Chöge Nawedutta, qui peuvent être traduits par l'école des caractéristiques du Dharma ou l'école des apparences du Dharma. Donc, comme Sazante dit que Chenambeduta serait peut-être plus joli à prononcer en tibétain et dans le sens, mais il va continuer sur la première traduction de ce terme chinois qui est Chenambeduta, et qu'on peut dire l'école des caractéristiques ou l'école des apparences du Dharma. Mais, donc, dans cette école, le grand moine de la dynastie Tang, Xunzang, ou comme on l'appelle en Chine, dans le royaume de Chine, le maître Tang de Tripitaka, a apporté la philosophie de l'esprit seul de l'Inde en Chine. Si vous demandez à des Chinois maintenant, et vous leur demandez est-ce que vous connaissez Xunzang de Tang, ils vous diront probablement qu'ils ne le connaissent pas. Mais si vous leur demandez est-ce qu'ils connaissent Xunzang, ils le connaîtront sûrement parce qu'il y a cette légende, il y a un film qui est très connu avec le singe Bodhisattva. Et c'est un film, toute une série qui est très connue en Chine. Et dans cette série, il nous parle des trois grands maîtres du Tang, ou des grands maîtres détenteurs du Tripitaka. Le maître Tang du Tripitaka. Et quand on l'appelle Xunzang en tant que sous cette dénomination, le maître du Tang du Tripitaka, là les gens vont le connaître, mais pas sous son nom de Xunzang. Donc il est très connu de nos jours en Chine sous le nom de Tang du Tripitaka. Ah. Est-ce que c'est mon internet qui bloque ou je ne vois plus rien? Donc, de quelle manière Tang Chungzang a amené le Dharma de la Chine en Inde? Ok, je vais essayer de vous faire un résumé. Son élève, donc, s'appelait Xiang Daishi Kuji, et qui a appelé une tradition basée, qui a appelé la tradition basée sur la pensée de l'esprit seulement l'école des caractéristiques du Dharma. Donc, à cette époque, Xunzang était une personne qui voulait tout étudier, quel que soit le sujet. Et il s'est beaucoup intéressé aux commentaires d'éditeurs traduits par Paramartha. Et afin d'obtenir tous les ouvrages relatifs au niveau des Yogacharya,
qui était son centre d'intérêt. Et comme ce texte, les niveaux ou les terres de Yogacharya, Yogacharya Bhumi n'existait pas en Chine, il s'est rendu en Inde. Mais à cette époque, dans la dynastie des Tang, les frontières étaient souvent fermées et les habitants de la Chine n'avaient pas l'autorisation de voyager à l'extérieur. Et même si les frontières étaient fermées, il a parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre en Inde. Si l'on regarde les grandes archives Tang sur les régions occidentales, on peut voir qu'il a fait face à de nombreuses difficultés pour se rendre en Inde, notamment Donc la réalité, c'est que lorsqu'il s'est rendu en Inde, il a énormément souffert, il a passé par beaucoup de difficultés. Et l'année dans laquelle il s'est rendu en Inde, c'est l'année 624. Lorsqu'il est arrivé en Inde, il s'est rendu dans la grande université de Nalanda et le Shilabhadra était l'abbé de Nalanda. Shilabhadra, c'est un disciple d'Dharmapada. Et il a étudié aux côtés de Shilabhadra. Et pendant qu'il était en Inde, le Hinayana et le Mahayana étaient très répandus, mais plus particulièrement les textes du Mahayana sur l'esprit seul. Donc Shunzang est allé en pèlerinage dans tous les grands endroits sacrés de l'Inde. Et en même temps qu'il faisait ses pèlerinages, il a pris des notes et il a écrit un récit de son pèlerinage en Inde. Et lorsque les Tibétains ont commencé à faire des recherches sur les centres sacrés de l'Inde, ils se sont basés beaucoup sur les écrits de Chumsan. Et si ça n'avait pas été aussi bien clairement écrit, on aurait beaucoup de mal encore de nos jours à identifier et à retrouver certains de ces lieux sacrés. Donc il resta 17 ans en Inde et il étudia tous les textes. Il a ramené aussi beaucoup de textes tibétains. Puis il est rentré en Chine. Il est rentré en Chine à la 19e année du règne de l'empereur Taizong, c'est-à-dire en 645. À cette époque, l'empereur Taizong était très satisfait de ce qu'avait accompli Chungzang. Il l'accueillit, et non seulement il l'accueillit de retour en Chine, mais il fonda un centre de traduction des textes bouddhistes. Et le gouvernement chinois lui-même a soutenu les projets de traduction de Chungzang. Ces traductions de cette période comprennent de nombreux textes de l'esprit seulement,
tels que le sutra Explication de la pensée, le Yogacharya Bhumi, le traité qui clarifie l'enseignement, le compendium de l'Abhidharma et le compendium du Mahayana, et d'autres. Et aussi, une traduction de la Prajnaparamita, du sutra de la Prajnaparamita en 100 000 strophes ou 100 000 vers. Le trésor de l'Abhidharma aussi, et d'autres sutras. Donc, Tang Chungzhang consacra toute l'énergie de son corps et de son esprit et a passé les années restantes jusqu'à sa mort à traduire les sutras et les traités qu'il avait rapportés d'Inde. Il travailla jusqu'à épuisement, sans s'arrêter, sans se reposer. Il traduit en Chine une très grande quantité des textes du Dharma. Il traduisit en fait 74 textes différents pour un total de 1350 fascicules de textes. Donc ces traductions sont appelées les nouvelles traductions, et les traductions qui existaient avant Xuzhong s'étaient appelées les traductions anciennes. Donc la différence entre les anciennes traductions et les nouvelles traductions se définit à partir du moment où Xuanzang de Tang a traduit, de la dynastie Tang a traduit. Et plus tard, lorsque je vous parlerai de Losawa Rinchen Zangpo, le Tibétain, c'est un peu, je vous expliquerai que c'est comme au Tibet pour les traductions anciennes et nouvelles. Les traductions nouvelles viennent à partir du moment où c'est Losawa Rinchen Zangpo est arrivé et a commencé à faire des traductions au Tibet. On les a appelées les traductions nouvelles. Et avant, c'est les traductions anciennes. Donc le contenu des sutras et des traités qu'il a traduits révèle à la fois du véhicule du Hinayana et du Mahayana, mais son plus grand espoir, son véritable objectif était de propager la vue de l'esprit seulement. C'est pour ça, lorsqu'il a vécu en Inde, il s'est basé sur la vision et la pratique de l'esprit seulement. Et qu'ensuite, il a traduit de nombreux traités sur l'esprit seul, il a traduit de nombreux traités sur l'esprit seul. Et en particulier, sa traduction en chinois du traité prouvant la conscience seule, qui est composé de 10 fascicules, et marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du bouddhisme chinois. C'est un traité particulièrement important et qui marque une nouvelle ère, oui, on peut dire une nouvelle ère dans l'histoire du bouddhisme en Chine. Comme je l'ai expliqué hier, ce texte compile tous les explications de la trentaine par les 10 commentateurs. Xuanzang avait l'intention de traduire les 10, mais comme cela ferait trop, ça ferait un volume trop sûr, il a pensé qu'il n'y arriverait pas à tous les traduire. Sous l'inspiration de son élève Kuiji, il a décidé de non pas traduire l'ensemble des 10 commentaires, mais d'en traduire le sens, l'essence de chacun de ces 10. Et c'est ainsi qu'il a composé ce traité prouvant la conscience seule, prouvant l'esprit seul, seulement. Donc c'est un traité qui rassemble les points clés des 10 traductions, des traductions des 10 grands commentaires de la trentaine par les 10 grands Kenpo.
suru gen chen ta tili chi ki ta kanda sem sabi penju kechim bu shibili shari yore. Et c'est ainsi que c'est devenu un des textes fondateurs, un des textes principaux de l'école de l'esprit seulement. Xunseng considère que les explications de Dharmapala sont les plus correctes et les meilleures, et c'est pour cette raison que l'école des caractéristiques du Dharma est aussi appelée l'école de Dharmapala. Donc le disciple de Xunzang, qui était aussi grand que son maître, s'appelait Xuiji. Donc, Richie a continué l'activité du grand traducteur Xiang l'œuvre de son travail devient la nouvelle école des caractéristiques du Dharma et il y a eu un impact très important. Au sujet de Kuiji, il y a beaucoup d'histoires extraordinaires. Sa biographie est composée d'histoires absolument extraordinaires, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc Kuiji a aussi aidé beaucoup son maître Xunzang à traduire les sutras et les shastras. Et d'en plus, en même temps qu'il traduisait, il obtenait des réalisations. Donc on dit qu'il a développé sa première réalisation lorsqu'il traduisait le traité pour prouver l'esprit seulement. En outre, il a étudié la logique, le pramana, et en raison de la bonne influence de Xuzhang, il a écrit de nombreux commentaires sur le traité prouvant la conscience seulement. Ainsi que la différenciation entre le milieu et les extrêmes, etc. Il a également écrit des commentaires sur de nombreux sutras et traités, dont l'éloge du sutra du lotus blanc, l'enseignement de Vilamalakirti. Et il composa aussi un court commentaire sur les niveaux de Yogacharya. C'est pour ça que, comme il était un grand écrivain prolifique, on l'a appelé l'auteur de 100 commentaires. De même, il a également écrit un texte appelé, ce sainté vient de le dire, un Faiyu Yang Ling Shang, quelque chose qui ressemble à ça. Donc le premier maître détenteur de la lignée des caractéristiques dharma, c'était Kuiji. Puis ensuite, le successeur de Kuiji, c'est Huizhao.
dont les dates de naissance et de mort sont 650 et 714. Hui Zhao a écrit un texte intitulé « Le sens définitif de la preuve de la conscience seulement ». Puis le troisième détenteur de cette lignée des caractéristiques du Dharma s'appelle Chi Zhao, 668-723. Et lui-même a écrit un texte intitulé « Enseignement secret de la preuve de la conscience seule ». Donc ce sont des c'est un système qui a c'est un texte qui réécrit et réorganise et propage la pensée de l'esprit seul de selon Dharmapada. Et les commentaires de Kuiji Huizhao et Shishu donc ces trois commentaires que je viens de mentionner sont appelés trois commentaires de l'esprit seulement. Celui de Kuiji, celui de Huizhao et celui de Shizhu. Ils sont considérés comme les plus grands classiques de la pensée seule, de l'esprit seul. C'est considéré comme les plus brillants et les plus précis de ces textes, des textes. Le texte composé par Hui Zhao c'est-à-dire Hui Zhao a aussi écrit un commentaire du différencier le milieu des extrêmes. De nos jours, certains universitaires disent que la tradition de Dieter dont j'ai parlé hier et que le commentaire de Dieter sont considérés donc comme des textes racines et de même pour les terres de vie. Mais que, donc, selon ces certains érudits, hein, l'école des Dittères que j'ai expliqué, ainsi que le commentaire sur le sutra des 10 niveaux, est le texte fondateur de l'école. Et le texte fondateur de l'école du compendium du Mahayana, il considère que le compendium du Mahayana est le texte fondateur. Cependant, la philosophie de l'esprit seul enseignée dans ces textes n'est que partielle. Et ils pensent qu'ils n'ont eu l'occasion que de voir l'ensemble de la philosophie indienne de l'esprit seul. Et c'est comme si ces deux écoles antérieures... Attendez. L'école des caractéristiques du Dharma est l'inverse. Donc les deux premières écoles, on les considère comme étant incomplètes, pour résumer, par rapport à la vision de l'esprit seul. Mais l'école de la caractéristique du Dharma, c'est l'inverse. Xuzang a trouvé donc des difficultés inimaginables pour se rendre en Inde afin d'étudier les points clés de la vue de l'esprit seulement en Inde. Et avec tous les efforts qu'il a donnés, il a pu recevoir les transmissions de la lignée pure depuis Maitreya, Sangha et Vasubandhu jusqu'à Dharmapala. Donc en outre, parce qu'il avait une si grande force mentale, l'influence de l'école des caractéristiques du Dharma s'est largement épanouie lors de la dynastie Tang. Exerçant une grande pression sur l'école des Dittères et sur celle du compendium du Mahayana, qui ont fini par fusionner avec l'école des caractéristiques du Dharma. De même, comme je l'expliquerai plus tard,
les trois grands maîtres japonais, Dao Zhao, Xing Tang et Xuan Feng en chinois, sont allés étudier l'école des caractéristiques du Dharma des Tang et l'ont rapporté au Japon. C'est ainsi que le nom même de l'école de l'esprit seul qui s'est répandue au Japon n'a pas été changé et s'est aussi appelée l'école des caractéristiques du Dharma. Et cette école existe encore maintenant. Donc ils se sont basés, ils se sont basés sur cette école fondée par Shenzhen, l'école des caractéristiques du Dharma. À cette époque, en Chine, l'école des caractéristiques du Dharma s'est largement répandue. Les deux autres écoles antérieures, l'école des 10 niveaux et du compendium du Mahayana, se sont unifiées ou sont ont été, oui, se sont unifiées à cette époque, à cette école des caractéristiques de Dharma pour devenir la principale école chinoise de l'esprit seul. Cependant, en raison de la persécution du bouddhisme par les huit Chang, je vous en ai parlé hier, en Chine, il y a eu plusieurs périodes où le bouddhisme a été persécuté, et notamment par à l'époque où les huit Chang ont persécuté le Dharma. La tradition des caractéristiques du Dharma a décliné en Chine après la dynastie Tang. Et de nombreux textes s'y rapportant ont été perdus. Donc le troisième des successeurs à Xunzong qui s'appelait Qi, alors Qi Chao. Et après l'époque de Xingqiu, la transmission de l'école des caractéristiques du Dharma a été perdue. Après lui, on n'a pas pu maintenir et continuer cette école des caractéristiques du Dharma. Donc, que s'est-il passé après cela? Donc, avec l'objectif de réunifier les anciennes et les nouvelles traductions, il y a eu une nouvelle école, c'est l'école de l'Avatamsaka. Donc, l'Avatamsa, c'est un des sutras d'Opel Boche. Et cette école avait pour but d'unir les anciennes et les nouvelles traductions, unifiant la notion de la nature de Bouddha et de l'esprit seulement. Et c'est ainsi que cette nouvelle tradition a commencé à se répandre et que des pratiques du dhyana, l'absorption méditative ou de la stabilité mentale, qui s'appelle zen ou shan, ainsi que des terres pures se sont très largement répandues. Donc ces pratiques ont quelque part un lien avec l'école de l'esprit seul. Bon. Donc, quelle est la raison pour laquelle l'école des caractéristiques du Dharma, bien qu'elle ait soutenu la pensée, la tradition pure de l'esprit seulement du Mahayana indien, a fini par décliner en Chine? Pour quelle raison? Alors, l'universitaire ou le grand savant japonais Takemura Makeo propose trois raisons. Trois raisons au déclin de cette école des caractéristiques en Chine. Donc la première, donc l'accent mis sur la philosophie était trop fort. Et à part quelques érudits, elle était hors de portée du grand public. Parce que donc,
cette école était philosophiquement trop complexe pour être à la portée de tout le monde. Elle était juste compréhensible par quelques savants et quelques érudits. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième? Et les textes de l'Esprit seul disent que, ultimement, il y a les trois véhicules et aussi les cinq familles de Bouddha. Les cinq familles, pas les cinq familles de Bouddha, mais les cinq familles spirituelles, et avec la famille spirituelle qui est éveillée, réveillée ou alors incertaine, etc. Et cela ne correspondait pas aux attentes de nombreux bouddhistes du monde ordinaire. Les gens à l'époque avaient envie de devenir, d'arriver à l'éveil et pensaient que tout le monde pourrait arriver à l'éveil, alors que les Chittamatra disaient que tout le monde ne pourrait pas atteindre l'éveil parce qu'il fallait regarder les tendances spirituelles des gens et que certains n'arriveraient pas à atteindre l'éveil aussi rapidement que d'autres. Et ça ne plaisait pas au grand public. Et la troisième raison est que l'école de l'Esprit Saint explique comment progresser progressivement, pas à pas, sur la voie, et donc cela demandait du temps. Et donc les gens en Inde n'aimaient pas cette notion-là. Ça ne correspondait pas aux inclinations des Chinois. Par exemple, si l'on est un simple méditant yogi de la stabilité mentale, de la notion méditative, on n'a pas besoin d'avancer très progressivement sur la voie de l'éveil, on peut atteindre directement l'éveil très rapidement. Donc, et les Chinois aimaient bien, mais ce n'est pas simplement les Chinois de l'époque, hein, les Tibétains aussi aiment ça. Simplement méditer et on atteint l'éveil rapidement. Mais selon l'école de l'esprit seulement, il faut avancer pas à pas pour progresser sur la voie. Et avancer d'un niveau de bodhisattva à un autre niveau, d'une terre après une autre terre, pour finalement atteindre l'éveil. Mais dans l'esprit des gens, cela ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils souhaitaient. Donc voilà les trois principales raisons de la chute ou de l'affaiblissement de l'école de l'esprit seulement en Chine. Mais est-ce que cette école de l'esprit seulement a entièrement disparu de Chine? Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, lors de la dynastie Yuan, je vais vérifier parce que parfois je pourrais me tromper. Donc, parmi les pratiques des stabilités mentales et des terres pures qui ont fleuri sous la dynastie Yuan, de nombreux érudits ont parlé de la philosophie de l'esprit seulement lorsqu'ils enseignaient la terre pure de l'esprit seulement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on pratiquait ensemble les dhyanas et les terres pures. Et sous la direction de la dynastie Ming, un savant, Hashang Deqing, souhaitait faire revivre l'école des caractéristiques du Dharma. École de l'esprit seulement. Et donc, il écrit un texte appelé Xing Xiang Tong Shuo. Qu'on pourrait dire l'harmonie entre le mode d'être et le mode de manifestation. Peut-être on pourrait dire ça en français. Et dans ce texte, il expliqua la pensée de l'esprit seulement. Et cependant, comme les textes se rapportant à ce texte étaient extrêmement rares, cela n'a pas apporté beaucoup d'amélioration à la rediffusion de l'esprit seulement. À la fin de la dynastie Qing, il y avait un pratiquant laïc qui s'appelait Yang Renshan, apportant en Chine des textes. Il est allé au Japon.
Et il a vu qu'il y avait beaucoup de textes de l'école des caractéristiques du Dharma au Japon, et il a décidé de les rapporter en Chine. Et lorsqu'il les a ramenés en Chine, ça crée un tel brouhaha, un tel vacarme, tel un tremblement de terre dans le milieu des savants de la Chine de l'époque. Parce qu'il n'y avait plus de texte sur l'esprit seulement en Chine à cette époque. Par exemple, comme pour la situation des Kagyupa de nos jours, si on prend par exemple pour les Kamsan, on a commencé à partir du 16e Karmapa à étudier des textes. Et à créer des écoles monastiques et à avoir des grands savants. Puis après, comme le Dharma s'est dégénéré, on n'avait plus cette tradition, cette transmission. Donc plus tard, on a dit, oh, mais les Kagyupa ne connaissent pas vraiment les textes. Il n'y a pas beaucoup de Kagyupa qui connaissent les textes, ou les Kagyupa n'étudient pas les textes. Puis plus tard, lorsque le 16e Karmapa est arrivé en Inde, il a ouvert un Shedra, une école monastique à Rumtek, et il a publié les enseignements de 8e Karmapa. Puis au Tibet, à cette époque, comme les textes Kagyupa n'étaient pas très diffusés au Tibet, il y avait très peu de Kenpo ou d'érudits au Tibet qui connaissaient les textes Kagyupa. Mais, donc quand les commentaires du 8e Karmapa, quand les textes retrouvés en Inde et publiés en Inde par le 16e Karmapa, les commentaires du 8e Karmapa sur les principaux textes philosophiques du canon bouddhique ont été ramenés au Tibet, les Kenpo de l'époque m'ont dit qu'ils étaient extrêmement contents de pouvoir retrouver ces textes. Et finalement, les gens ont fini par comprendre qu'avec émerveillement, qu'en fait, chez les Kagyupa, il y avait aussi des vrais commentaires et des très grands commentaires sur les textes principaux. Et les gens se disaient, oh, vous avez des vrais commentaires, on n'y aurait pas cru que vous aviez des vrais commentaires Kagyupa de des grands textes philosophiques. Donc, de la même manière, à l'époque des Ming, à l'époque donc de la République de Chine, sous la direction de Wang Yangjingwu, ils ont créé un institut bouddhique qui s'appelle China. L'institut bouddhique China, on pourrait dire. Cette personne, Wu Yang Xingru, a relancé les recherches sur l'esprit seul quelque part dans le sud de la Chine. Puis à Pékin, grâce aux efforts de Huang Xingjing, la philosophie de l'esprit seulement a été relancée en Chine. Plusieurs centaines d'années après sa chute ou sa disparition. L'Institut bouddhique China a utilisé dans ses recherches des textes de l'école des caractéristiques du Dharma obtenus au Japon, récupérés au Japon, ainsi que des textes bouddhistes tibétains et des manuscrits ainsi que des textes bouddhistes tibétains et des manuscrits sanscrits comme des textes, des traductions de Shitamarti, etc., qui se trouvaient en Europe et en Amérique. Ils les ont étudiés et ce qui a eu un impact durable sur la recherche contemporaine sur l'esprit seulement. Il a permis de re-répandre ou de raviver cette école de l'esprit seulement. Donc, en Chine, d'abord, l'esprit seulement s'est développé en Chine, puis a dégénéré, puis sous le régime de la République chinoise de Chine, s'est à nouveau redéveloppé. Donc voilà les trois étapes de la
propagation du Dharma en Chine. Faisons une demi-heure de pause. Donc pour continuer sur la vue de l'esprit seul en Chine, donc quelle est la raison pour laquelle elle est identique à la On dit généralement que le maître Yijing a enseigné la pensée de Shiramati, tandis que Xunzang a enseigné la pensée transmise de Dignaga, Ashvabhaya et Dharmapala. Cependant, certains affirment que Shiramati était postérieur à Yijing. Et de même, les œuvres de Ashvabhava conservées en tibétain et celles conservées en chinois Donc, toutes les œuvres de Dharmapala, etc., présentent de nombreuses différences dans leur contenu. Donc, il est il est difficile de dire qu'il existe un lien entre la pensée de Ashvabhaya, de Dharmapala et de Xunzang. Et aussi entre les différentes traditions de la pensée de l'esprit seul. En Inde, il y a beaucoup de points communs et aussi de divergences. Et les recherches actuelles qui sont actuellement menées sur les différentes pensées au sein de cette tradition indienne sur l'esprit seul et qui sont consignées dans les récits tibétains montrent qu'il est difficile de pouvoir trancher. Et donc, il est intéressant de continuer à s'intéresser à ces différences en prenant ce qui est consigné dans les textes en tibétain aussi, et de continuer pour pouvoir un jour avoir un avis plus tranché. Maintenant, donc cette école des caractéristiques du Dharma, donc quelle est la raison pour laquelle cette école s'appelle ainsi l'école de caractéristiques des phénomènes ou alors des manifestations des phénomènes. Parmi les trois écoles de l'esprit seul qui se sont répandues en Chine, c'est-à-dire l'école des 10 niveaux, celle du compendium de l'Abhidharma et des caractéristiques du Dharma, nous venons de discuter l'école des caractéristiques du Dharma. Mais quelle est la raison pour laquelle on appelle les caractéristiques du Dharma ou alors les manifestations du Dharma? Ici, Dharma est à comprendre dans le sens phénomène, c'est tous les phénomènes, les Dharmas. Donc, tout d'abord, lorsque nous examinons les choses extérieures, ou même l'univers, et en particulier, lorsque nous examinons comment les choses existent dans leur mode d'être et comment elles apparaissent, il y a deux domaines dans lesquels nous devons savoir faire des distinctions. Donc, il est important de bien comprendre ces deux aspects. Le premier, c'est examiner le mode d'apparition des choses. Donc, comment examiner le mode d'apparition des choses en fonction à la fois de son aspect subtil des choses, la substance, et de l'aspect plus
plus grossier, le substrat, la réalité des choses. Donc c'est bien savoir faire la distinction entre le subtil et le grossier. Par exemple, lorsque l'on observe le monde, par exemple quelque chose comme de l'eau, on voit bien qu'il est composé d'atomes qui est lui-même composé d'autres particules plus petites. Et la deuxième, c'est comment examiner la manière dont les apparences se maintiennent. C'est-à-dire comment les choses sont s'unifient. Donc je reprends. La première distinction à savoir faire, c'est comment examiner les objets dans leur nature, dans leur substance et aussi dans la manière dont ils se manifestent. Et la deuxième, c'est comment imaginer la manière dont les apparences peuvent se maintenir. Par exemple, les scientifiques qui vont examiner de l'eau ou notre monde, ils vont savoir qu'il est composé d'atomes. Ou encore que les particules subtiles, récemment découvertes, sont composées aussi d'électrons. Donc ceux-ci sont combinés pour former des choses grossières. Et cela semble à la première analyse. Et s'il y a quelque chose derrière cette manière d'apparaître, ou une autre manière interne qui permette à ces choses de demeurer, de rester existantes, cela ressemble à la deuxième analyse. Quand on connaît ces deux points importants, on va pouvoir comprendre pourquoi on appelait ça l'école des caractéristiques du dharma ou les manifestations des dharmas. Donc l'école de l'esprit seul, fondée par Xunjiang et Guiji en Chine, porte le nom de l'école des caractéristiques du dharma. Parce que cette école a étudié les caractéristiques des phénomènes ou la manière dont ils existent, dont ils se maintiennent. Mais si l'on voulait être très précis, on pourrait appeler on devrait pas l'appeler l'école de la nature ou des aspects des phénomènes, mais on devrait plutôt dire l'école de la nature et des apparences des phénomènes. Parce que dans cette tradition, il s'agit de faire la distinction entre le mode d'être et le mode d'apparence. Quel est le mode d'être? Quel est le mode d'apparence? Et c'est l'objectif le plus important de cette philosophie de l'esprit seulement. Je crois que j'ai fait une erreur dans ma traduction. Il faut remplacer tout ce que j'ai dit lorsque l'on dit de comment les apparences se maintiennent. Non, c'est quel est l'état naturel de ces apparences. Il faut comprendre les langues dans ce sens-là. Donc la deuxième, ce n'est pas, c'est surtout la nature de ces phénomènes apparents. Pas simplement observer les phénomènes apparents, mais aussi regarder la nature de ces phénomènes qui apparaissent.
Cependant, l'objectif principal et le point de l'esprit seul, c'est de comprendre comment les phénomènes apparaissent et comment les phénomènes demeurent dans leur nature. L'école de l'esprit seul va regarder comment l'esprit perturbé ou l'esprit dans la confusion va prendre des objets comme étant apparents, mais non seulement l'apparence de ces objets et leur diversité, mais aussi la nature de ces apparences. Donc, quelle est la base originelle ou la pensée de départ? C'est la façon dont les choses apparaissent, ou leur image, l'image mentale qui apparaît. Toutes ces images qui nous apparaissent mentalement et tous ces aspects des dharmas, par exemple, comment les objets tangibles nous apparaissent, comment nous nous focalisons dessus, et quelle est l'image, quel est l'aspect de cet objet. Et on l'observe par notre propre expérience et on l'analyse. Cette analyse qui est faite par l'expérience du réel, et c'est une observation du réel, est donc similaire à l'approche qu'a la science du réel. Elle est donc de nature logique et raisonnée. Et la philosophie d'un autre côté de l'esprit seul est extrêmement compliquée, vaste, profonde et détaillée. Donc c'est une philosophie de l'esprit seul qui est donc une école bouddhiste qui met l'accent sur la logique qui est de par nature logique et aussi philosophique. Donc si on ne fait pas un peu d'études de cette école, on ne pourra pas la comprendre d'emblée ou du premier coup. C'est pour ça qu'on appelle cette école l'école des caractéristiques ou l'école des apparences. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment cette école de l'esprit seulement s'est développée au Japon. Donc je vous ai fait avant cela, je vais vous remontrer ce dessin ou ce graphisme sur le développement de l'esprit seul en Chine. Donc la source, elle vient, c'est l'Inde. Donc les débuts, donc l'origine vient de Bodhiruchi et de Ratnamati. Puis s'est développée donc l'école des dix terres, des dix niveaux, avec deux traditions, la tradition du Nord et la tradition du Sud. Puis d'Inde, le Paramatra, Yangdrakdenpa, est arrivé en Chine et a créé l'école du compendium du Mahayana. Donc dans l'école des dix terres, il y a une partie qui est partie de la tradition du Sud, une partie qui s'est fondue dans le compendium du Mahayana et une autre qui est partie dans la Vatansang School. Ensuite, j'ai écrit Xiangsang, mais c'était pour Xuanzang, parce que j'ai écrit ceci en tibétain avec cette orthographe-là, parce que dans le Tengyur en tibétain, son nom apparaît, mais il n'est pas sous le nom de Xuanzang, mais Xiangsang, Hayataya Laya Sanatsang. Donc vous le retrouverez dans le Tengyur en tibétain. Et Xuanzang a donc, lui, fondé cette école des caractéristiques des phénomènes ou caractéristiques du dharma. Et cette école, plus tard, s'est répandue au Japon.
Donc maintenant, nous en arrivons au développement de l'esprit seul au Japon. Donc, elle a été apportée par des maîtres japonais qui étaient allés en Chine pour étudier l'école des caractéristiques du Dharma. Et ils l'ont importée de quatre manières différentes. Donc, le premier, c'est Tao Zhou. En 653, qui est arrivé à Tang et a étudié l'école de l'esprit seulement avec Xunzang et Kuiji. Et en 661, il est rentré dans son pays, au Japon. En 658, Jitatsu aussi se rend au Tang et étudie l'esprit seul avec Xunzang et Kuiji. Et la date de son retour au Japon n'est pas connue. En troisième, il y a Qin Shu, Qiran et Qin Yu. Qui en 703 se rendent au Tang et étudient avec le troisième maître de l'école des caractéristiques du Dharma, Qin Shu. Et passe plusieurs années au Tang et retombe au Japon et retourne au Japon environ entre 705 ou 706. Et en quatrième, Chengbo est arrivé à Tang en 717 et il a aussi étudié avec le troisième maître de l'école des caractéristiques du Dharma, Shinshu. Et il est rentré chez lui en 735. Donc l'école des caractéristiques du Dharma introduite au Japon, de la manière décrite ci-dessus, s'est largement épanouie au Japon. Pendant la période de Nara, ou pendant le royaume de Nara, au Japon, c'est le royaume qui a duré pendant de 710 à 794, c'est ce que l'on appelle la période de Nara. Donc l'école était, était la sous-école du bouddhisme Nato. Nanto, la capitale du sud. Le premier maître s'appelait Tao Cho. Il séjournait au temple de Guangbo. Et le quatrième maître vivait au temple de Qingfu et ils ont diffusé leur propre philosophie de l'esprit seul, ce qui entraînait l'essor de ces temples. Le premier temple était appelé le temple du sud et le second le temple du nord. Et par rapport à leur position sur les philosophies de l'esprit seulement, il y avait beaucoup de rivalités, beaucoup de débats entre ces deux temples, le temple du nord et le temple du sud. Et il y avait de nombreux érudits célèbres des deux côtés qui ont écrit de nombreux traités. Et cette période, cette situation a perduré jusqu'à la période Edo. En réalité, depuis les temps les plus anciens jusqu'au temps moderne, la philosophie de l'esprit seul des érudits japonais peut être identifiée comme étant une compréhension du dharma parallèle à celle au trésor de l'abhidharma. C'était une étude qui se faisait en parallèle. L'étude de l'esprit seul, c'était une étude faite parallèle à l'étude de l'abhidharma. Auparavant, pendant la période Edo, c'est-à-dire 17-19e siècle,
Donc, durant ces siècles, pour de nombreux moines de toutes les lignées, la tradition était de se rendre à Nara pour étudier l'esprit seul et le trésor. Pour étudier l'esprit seul et le trésor de l'Abhidharma. Il était dit 3 ans pour l'esprit seul, 8 ans sur l'Abhidharma. Donc c'était comme ça qu'ils étudiaient. 3 ans passés pour étudier l'esprit seulement et 8 ans pour l'Abhidharma, le trésor de l'Abhidharma. La signification est que les personnes qui voulaient apprendre l'esprit seul devaient passer 11 années à étudier. Par conséquent, apprendre l'école de l'esprit seulement était extrêmement difficile. Ça demandait beaucoup de temps. Et la raison pour laquelle l'étude était aussi longue, c'est que la pensée de l'esprit seulement était devenue une philosophie bouddhiste très systématisée, avec donc toute une très systématisée, et en termes historiques c'était la dernière présentation la plus sophistiquée de toutes les philosophies. Et c'est pour cela que, puisque cette dernière présentation très systématisée de la philosophie bouddhiste par l'esprit seul était extrêmement sophistiquée, que cela demandait beaucoup de temps pour l'étudier. Ici, nous... Lorsque nous parlons du trésor de l'esprit seulement, et de l'esprit seulement, nous entendons le trésor de l'Abhidharma de Vasubandhu et la preuve de l'esprit seulement de Dharmapala. Donc, un nom donné conjointement au trésor et à l'esprit seulement était la science de la nature et des apparences, l'état de mode d'être et le mode d'apparence. Donc, il faut comprendre, et ceci doit être compris comme les dharmas et le dharmata, les phénomènes et la nature des phénomènes. La nature des particularités d'un phénomène, c'est le dharma, et la nature commune des phénomènes, c'est le dharmata. Et le trésor de l'Abhidharma divise tous ces phénomènes en 75 catégories, qui sont incluses dans les 5 bases du monde connaissable. Donc, il y a l'esprit, les facteurs mentaux, les formations concomitantes et les objets non composés. Donc, il y a 5 secteurs de connaissance, ou 5 variantes des objets de connaissance, c'est-à-dire des phénomènes. Et si on compte le nombre de sous-parties que composent chacune de ces grandes 5 fondements des objets de connaissance, il y a 75 catégories. Et pour ce qui est de l'esprit seulement, il y a donc, pour ce qui est des phénomènes connaissables, des phénomènes existants, sont divisés en 5 bases et en 100 dharmas. Je vous ai parlé du texte, des 100 dharmas, qui a été traduit en chinois. Je ne sais pas comment je l'avais traduit, les sandars Machubo. Namcha. Ça n'a pas été traduit en chinois, et je pense que ça devrait être traduit en tibétain, dit sa sainteté. Donc il s'agit d'une classification des phénomènes. Et
Puisqu'il y avait cette classification détaillée des phénomènes, ça a valu à cette école d'être appelée l'école des différents types de dharma, on va dire, ou des caractéristiques de dharma, ou des différents aspects du dharma. Et en Chine, à l'école de Tangte, la pensée principale de l'école était basée sur la dharmata, la nature des phénomènes, le monde, le mode réel. Et comme les caractéristiques du dharma ou les différents aspects du dharma sont les manifestations de cette base, ils sont nommés donc parce que ce sont les manifestations de du mode d'être. Et comme cette école aussi étudiait le mode de manifestation et le mode d'être, on l'a appelé l'école aussi du mode d'être et de la nature et des manifestations. Alors, une des raisons pour laquelle l'on peut parler de ce nom des caractéristiques du dharma ou l'école des différentes manifestations des dharmas a été peut-être donnée parce qu'en opposition avec l'école qui se basait essentiellement sur la nature même des phénomènes. Ou parce que toutes les différentes étapes du Mahayana, toutes les différentes aspects du Mahayana sont extrêmement détaillés dans cette école qu'on a appelée l'école des différents aspects du Dharma. Donc peut-être que c'est aussi une dénomination qui a été donnée basée sur le Mahayana. Ou basée de par leur présentation très détaillée du Mahayana. La différence qui réside, par contre, c'est que dans le trésor de l'Abhidharma, le trésor de l'Abhidharma défend la réalité des trois mondes. Par contre, l'esprit seul défend la vacuité. Et dit que tout ce qui est de la saisie dualiste, hein, de l'objet qui est saisi et de l'esprit qui saisit, tout ceci est de l'imaginaire, ce qu'on peut appeler le tout imaginaire, le kunta. Cependant, beaucoup de au Japon, beaucoup d'autres écoles disaient que l'école de l'esprit seulement n'était pas tenait pas une vue ultime. Et la raison pour laquelle ils parlaient de ainsi. Parce qu'il parle de l'éveil selon les trois véhicules. Et qu'il n'y a pas qu'un seul éveil, mais qu'il y a un éveil dans les trois véhicules. Et qu'il y a aussi, puisqu'ils ont cette distinction des différentes capacités spirituelles des êtres, il y a des êtres qui ne peuvent pas s'éveiller. Donc ce n'est pas une philosophie ultime. Par exemple, dans les autres traditions, tous les êtres peuvent potentiellement atteindre l'éveil. Donc, les autres véhicules du Mahayana au Japon disaient que ce n'était pas une vue philosophique qui prenait l'ultime. Ce n'était pas l'ultime.
Donc, pour résumer, il disait que leur vue n'était pas la vue ultime, c'était qu'une vue intermédiaire. Donc, la raison pour laquelle il disait que c'était une vue intermédiaire et non pas une vue ultime, à ce sujet, l'universitaire japonais Takasaki Chikido L'Open Fasan, qui était donc un détenteur de la vue de la Vasanka, était très influent. C'était un détenteur de la philosophie tirée du sutra Pilboche. Et ce maître avait une vue critique de l'esprit seul. Et aussi au Japon, il y a eu cette controverse sur le fait qu'il y ait cette nature de Bouddha qui est présente en tous les êtres, ou pas. Et c'est pour ça qu'elle disait que ce n'était pas forcément la vision la plus profonde du Dharma et que la vue de l'esprit seulement, d'avoir un esprit qui existe, n'est pas la vue la plus ultime du Dharma. Et ces grands érudits, ces grands savants de l'époque ont ainsi considéré ou amené tout le monde, ont eu une grande influence pour considérer que l'esprit seulement n'était pas la vue la plus ultime du bouddhisme. Au début, vers la fin du 19e siècle, à l'époque de l'ère Meiji au Japon, donc l'ère Meiji au Japon, c'est le 19e siècle, et vers la fin du 19e siècle, il y a eu plusieurs Européens qui se sont spécialisés dans la recherche du bouddhisme en Inde. Et ils ont étudié l'esprit seulement et les changements et l'évolution de l'histoire et des textes originaux dans du bouddhisme en Inde. Et aussi la raison pour laquelle il y a eu ce changement au Japon de l'appréhension de cette école de l'esprit seulement. Pourquoi au Japon on a commencé à dire que ce n'était pas, on a approuvé que ce n'était pas la vue ultime, c'est parce que aussi d'autres textes ont été redécouverts en Inde, en sanskrit, et qui nous parlaient d'autre chose. Mais puisque d'autres, puisqu'ensuite de nombreuses personnes ont découvert des nouveaux traités sur l'esprit seul en Inde, il y a eu un intérêt pour l'école de l'esprit seul au Japon. Donc, par exemple, il y a eu les travaux et les traductions de Sylvain Lévy en France. Donc, c'est la photo du haut. Et en bas, c'est le grand. C'est Louis de la Vallée Poussin, un érudit belge. Lévy ressemble à Einstein, non?
Einstein Robusto. Einstein. C'est peut-être le Einstein de l'esprit seulement. Tous les deux, au début du XXe siècle, ils ont composé des textes, ils ont traduit des textes et ils ont introduit les fondements de l'esprit seulement traditionnel dans le monde européen. Non seulement ils avaient une grande érudition, mais c'était des personnes qui parlaient plein de langues. Ils connaissaient le Japon, le japonais, le chinois, le sanskrit, le tibétain. Donc, ces deux érudits ont introduit pour la première fois la tradition de l'esprit seul dans le monde européen. Et c'est avec ces deux êtres érudits qu'une nouvelle étude, un nouveau engouement pour l'étude de l'esprit seulement a refleuri en Europe, mais a fleuri en Europe, mais aussi s'est ravivé au Japon. Et plus tard, deux universitaires japonais ont été les pionniers dans ce renouveau de l'étude de l'esprit seulement. L'un d'entre eux, c'est Hui Akuju, Hui Akuju, c'est celui d'en dessous, du bas. Donc, c'est un grand savant. Et au-dessus, la photo de dessus, c'est Yamaguchi Susumu. Lui et Hui Akuju ont publié une variété d'études originales et de nombreux par rapport au sanskrit, de textes en sanskrit, et de nombreux universitaires l'ont suivi, les ont suivis, un peu comme un flot d'universitaires semblable aux rivières de l'été les ont suivis. C'est environ il y a une centaine d'années. Et c'était difficile de se déplacer d'un pays à l'autre à cette époque. Et d'apprendre une langue aussi, c'était difficile, mais ils se sont donné beaucoup de mal. Pour devenir les plus érudits et les nouveaux érudits, les nouveaux grands connaisseurs de la philosophie de l'esprit seul dans le temps moderne. Voilà pour une brève présentation du développement de l'esprit seulement au Japon. Ensuite, je vais vous parler du développement de l'esprit seulement en Corée. Maintenant les gens adorent regarder des films coréens, mais vous ne connaissez peut-être pas le bouddhisme coréen. Vous connaissez les films coréens. Donc, je pense vous faire une brève présentation du développement de l'esprit seul en coréen. Donc, un maître particulièrement remarquable, saint de l'école Sien. On appelle l'école de Sien parce que c'est Sien qui a créé cette école. Et il y avait dans son école un disciple de Xunzang qui s'appelait Wonsuk. Et Wonsuk, c'est un Coréen. À l'époque, on n'appelait pas la Corée la Corée. On appelait ce pays le pays de Shilla. Shinla. Oui, pas Shinla, Shinla. Donc certains disent que c'était un disciple de Xunzang, mais certains disent que ce n'est pas un disciple de Xunzang, mais simplement un ami du Dharma de Xunzang. Ceci dit, lui, Wang Shun et Kui Ji étaient considérés comme les deux
les deux aspects du monde du Dharma, les deux divisions du monde du Dharma. Wensik, lui, bien avant le retour de Maître Xunxiang à Tang, Wenxik était connu dans la capitale de la Chine pour ses études des régents et de l'école des terres de Bodhisattva. Puis, lorsque Xunxiang fut de retour en Chine, il le prit comme maître. Et reçut de nombreuses instructions de lui, et il pensait être, et en conscience que Xunxiang était plus érudit que lui. Mais Wenxiang était maîtrisé six langues, dont le sanskrit et le tibétain. Donc, c'est pour ça que lorsque Xunxiang a fait des traductions comme le texte de la Prajnaparamita en 100 versets, Wenxiang a pu voir que Maître Xunxiang faisait des erreurs et a pu le corriger lors de cette traduction, l'aider dans la traduction. Donc, Wenxiang n'était pas simplement un grand érudit, mais aussi une personne qui possédait une façon de penser unique, un très grand érudit, un grand penseur inégalé. Mais ses enseignements et sa vision étaient légèrement différents de celles de Xunxiang. Pourquoi il avait une vision différente, une vue différente de celle de Xunxiang? Parce que, outre le fait que pendant les 17 années de séjour de Xunxiang en Inde, Wenxiang a été profondément influencé par la pensée de Yinjing et de Shtiramati. Et donc, il avait une. Avant même que Xunxiang revienne de Chine, Wenxiang avait acquis une compréhension différente de l'esprit seulement. Mais Wenxiang a pu intégrer et développer la doctrine nouvelle de l'esprit seulement qui a été rapportée par Xunxiang et Guiji, héritée de la lignée de Dharmapala et de Shilabhadra. Mais comme il avait ses propres distinctions, il y a eu quand même une certaine distinction entre l'école de l'esprit seulement chinoise et l'esprit seulement de Corée. Après la mort de Xunxiang, Wenxiang continua à enseigner la doctrine de l'esprit seulement au temple de Ximing. Et il continua à enseigner. C'était un érudit de grande renommée. Et à son époque, il y eut beaucoup de disciples coréens. Mais Ximing, c'est le nom du monastère. Et on lui donna le nom de grand maître de Ximing. Et c'est probablement à cette époque qu'a été écrit le sutra de l'explication de la pensée que l'on retrouve dans le Tengyur à l'heure actuelle. Et c'est probablement ce temple de Ximing qui a été le lieu d'étude pour tous les disciples coréens pour étudier la pensée de l'esprit seulement. Et donc le statut académique qu'il avait d'abord établi en Chine a progressivement influencé la Corée et le Japon aussi. Comment
L'impératrice Wu Zetang avait énormément de respect pour Wu Xing. Et à cette époque, le roi de la Corée qui s'appelait Shimun Wan a envoyé à plusieurs reprises des messagers pour demander à l'impératrice chinoise Wu Zetang que Wu Xing puisse retourner en Corée. Mais l'impératrice Wu a refusé. Parce qu'elle aimait trop Wu Zhang. Wenshuk. Mais en fin de compte, Wenshuk a fini par retourner en Corée pendant quelques temps, mais très vite il est retourné en Chine et a vécu toute sa vie. Donc son commentaire du Sutra de l'explication de la pensée a apporté une grande contribution. Mais le texte a disparu de nos jours. Le texte il existe encore et ça fait trois volumes dans le Tengdu. Donc, à l'époque de Tang, il y avait beaucoup de commentaires de sutra d'explication de la pensée. Mais il ne reste que celui qui a été composé par Wenshek. Alors que les autres qui ont été composés à l'époque de Tang, lors de la dynastie Tang, ont disparu. Et c'était au 9e siècle. À l'époque du roi Chi Repalchen, qui a été traduit en tibétain par Ge Chen Chirup. Donc le commentaire chinois de Wenshuk a survécu, et ce commentaire a été traduit au 9e siècle par Ge Chirup en tibétain. Et c'est un texte qui est très considéré au Tibet et c'est une source principale, un texte qui a été très important pour Tsongkhapa. Et demain je voudrais vous en parler de cela un peu plus parce que c'est vraiment un lien avec l'école de l'esprit seulement. Donc c'est une source primaire pour Tsongkhapa qu'il a cité dans son ouvrage qui s'appelle Dzogchen Lekche Nyingpo, c'est-à-dire l'essence de la bonne explication du sens pédagogique et définitif. Donc demain il n'y a pas donc d'enseignement et après-demain c'est le nouvel an chinois. Quand on a fait la planification, je n'avais pas vraiment pensé à que ça tombait le jour du Nouvel An chinois, notre enseignement. Et certains m'ont dit... vous ne donnez pas de vacances le jour du Nouvel An. Donc moi, je pensais qu'en fait, on m'a dit, voilà, ça correspond au Nouvel An. Donc moi, je me suis dit que puisque ça tombait sur le Nouvel An chinois, on devrait faire des vacances. Et
Mais pour moi, ce ne sera pas des jours de vacances parce que il faut que je prépare mon enseignement sur le développement de l'esprit seulement dans le bouddhisme tibétain. Et je dois regarder dans beaucoup de textes. Donc même si pour moi il n'y aura pas de vacances, pour vous je pense que c'est mieux que vous ayez des vacances. Donc demain c'est les vacances, après-demain aussi vacances. Donc demain, après-demain, 2 jours, et on continuera après-demain, dans 3 jours. Voilà pour aujourd'hui. Donc mercredi. La prochaine session, ce sera donc mercredi, et non pas mardi comme prévu. Donc je vous l'ai dit, hein, après-demain, c'est le nouvel an chinois, le nouvel an vietnamien. Donc je vous souhaite à tous un très bon nouvel an, bonne année chinoise. Que vous soyez en bonne santé, que vous soyez vous ayez des succès dans ce que vous entreprenez. Merci.